On pense à tort qu'avant la Wii, les jeux vidéo étaient une activité réservée aux paresseux. Certes, il n'y a pas beaucoup de consoles qui permettent aux joueurs de gesticuler les bras comme un couillon devant son écran histoire de se donner l'impression de faire du sport, mais avant ça, quand même, on pouvait être un athlète tout en restant le derrière bien confortablement enfoncé dans son fauteuil. Bon, bien sûr, l'effort physique se résumait à tapoter le bon bouton au bon moment, mais ça changeait un peu des sempiternelles princesses à sauver ou des jeux d'action idiots. Volleyball est un jeu de volleyball. Comme pour le vrai sport, il fallait réussir ses services, faire des réceptions et coller des smashs pour marquer des points. La dimension stratégique n'était pas follement développée et point de vue jouabilité, c'était aussi pas mal la galère. Il était assez difficile de suivre le mouvement de la balle et on la ratait parfois sans trop savoir pourquoi. Une musique horripilante vous accompagnait lors des parties, mais comme le bruitage ne valait pas beaucoup mieux, on en arrivait vite à couper le son. On pouvait jouer à deux et choisir le sexe des joueurs. Il n'y avait pas un choix terrible au niveau des équipes, mais ce n'était pas très important à l'époque. Les matchs étaient très intenses et après une partie, on pouvait se vanter d'avoir disputé un match de volleyball très serré, et ça, c'était la classe. Le golf sur NES, ça tient à peu près la route. Bien évidemment, tout l'aspect technique du swing disparaît quand on est justement vautré sur un canapé, mais ce n'est pas pour autant que c'est facile d'envoyer cette foutue baballe là où on le souhaite. Le jeu propose 3 parcours graphiquement réussis que vous pourrez parcourir seul ou avec un ami. Même si ça semble un peu le foutoir quand on ne s'y connaît pas, l'écran affiche toute une série d'informations très intéressantes comme la distance qui sépare le joueur du trou, la puissance du vent, le nombre de coups autorisés ou encore le club sélectionné. La jouabilité n'est pas très compliquée mais l'art de bien taper dans la balle demande un peu d'entraînement. Le plus souvent, la balle partira dans le décor, comme ça, voilà, mais parfois vous réussirez un joli coup et le jeu ne manquera pas de vous le signaler. Une fois sur le green, l'interface graphique change un peu pour vous permettre de mieux apprécier le relief. Et quand on dose bien son tir, on arrive enfin à rentrer la baballe dans le trou. Ces deux jeux sont bien évidemment maintenant des vieilleries qui font peur. Il est très difficile d'évaluer la valeur sentimentale qu'ils peuvent avoir auprès des joueurs qui ont grandi avec la NES, mais Nintendo a décidé de la fixer à 500 points. C'est beaucoup et il y a sûrement d'autres jeux qui en valent plus le coup. Mais pour ce qui est de la nostalgie, le plaisir est intact et c'est toujours agréable de se rappeler qu'avant on pouvait s'éclater avec des jeux moches, simples, mais prenants. Bon, on n'était pas difficile non plus.